Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur The Hunter Call of the Wild. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite chasse d'étain, tranquille, sur la réserve Yukon Valley. Voilà, tranquille, une petite partie. La vidéo sera pas bien longue, mais bon. Voilà, et surtout n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus et à vous abonner pour soutenir la chaîne, surtout. N'hésitez pas à appuyer sur le petit icône qui est en bas à droite de la vidéo pour vous abonner, n'hésitez pas surtout. Et pour info, j'ai une petite info à vous dire. J'avais beaucoup de problèmes de lag et de crash du jeu. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement désinstallé la réserve Quattro Colina. J'ai désinstallé des DLC et j'ai plus aucun crash et j'ai plus aucun bug. Franchement, je suis assez surpris. Hein, ça. Alors si ça vous arrive que vous ayez des bugs ou des crashs, eh ben, essayez de désinstaller ce DLC. Si vous l'avez pas, bon, ça c'est peut-être autre chose. Mais si vous l'avez, essayez de désinstaller cette map. Moi c'est ce que j'ai fait et j'ai plus qu'un bug, plus aucun crash. Franchement c'est hyper fluide maintenant, c'est parfait parce que ça commençait à devenir pénible, que ça arrêtait pas de crasher. Bon sur ce, excusez-moi, sur ce, je vais essayer de trouver du gibier et je vous retrouve tout de suite après. Allez go! Alors les amis, je suis en train d'appeler un élan. Il est juste à côté de moi. Je vais redonner 2-3 coups à peau. Ah. Il est juste là. Il est où? Ah. Il est là. Il est là. Merde, je peux pas le marquer. Ah non. Ah non, mais cache-toi. Putain, c'est caché derrière l'arbre. Non. Mais non. Ah, mais il s'est caché derrière l'arbre. Il est malin, lui, quand même. Hein. Ah bah alors là, franchement... Ah, j'ai attendu qu'il sorte derrière l'arbre parce qu'il s'était bien caché, quand même. Hein. Et franchement, cette arme-là, efficace. Hein. Ah, y a rien à dire là-dessus. Hein. Franchement, c'est... À mon avis, j'ai dû lui faire une balle de cœur, je pense. Parce que vu comme il est tombé, il y a de grandes chances que je lui ai fait une balle de cœur. Joli, joli. Joli. Eh ben, impeccable. Impeccable, ma petite élan. Bon, c'est une élan femelle, mais enfin bon. Ah ouais. Cher poumon, 3 cœurs. Ouais. Impeccable. Ah, il y en a un autre. C'est qui est. Ah, mais en plus, c'est un mâle, en plus. Eh ben, on va essayer de l'appeler. On va essayer de l'appeler. En plus, c'est un mâle en plus. On va se mettre là par là et on va essayer de l'appeler. Je vais essayer de l'appeler et je vous retrouve tout de suite après. Bon les amis, c'est la femelle qui est venue, mais je vais essayer de prendre la M1. Capoute. Ah mais bah le mâle du coup je sais pas où il est. C'est le mâle qui a crié tout à l'heure et j'ai essayé de l'appeler mais il est pas venu. Et du coup c'est deux femelles qui sont venues. Bon bah voilà. Impeccable. Impeccable. Tac. Hop là. Bon ben. Bah. Un deuxième petit élan, bon, c'est une femelle encore, mais tant pis, hein, que voulez-vous. J'ai essayé d'appeler le mâle, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Bon, cher cœur. Et comme vous voyez, je suis dans le vert. Je suis tout dans le vert. Là, là, bah, évaluation de trophée. Bon, c'est une femelle, il n'y a pas de trophée. J'ai les munitions adaptées avec la M1. Organe vital touché.
Que demander de plus? Parfait, parfait. Bon, je vais essayer de chercher un grizzly quand même. Essayer de tirer un grizzly, je vois tout de suite après. Regardez ce que j'ai là, les amis. Un joli ours. En plus, c'est un mâle. C'est très difficile et je vais l'essayer à la Miller. S'il a envie de s'arrêter. Ah, je l'ai touché. Je l'ai touché, les amis. Ah, j'ai voulu l'essayer avec la Miller. J'ai dit, tiens, ça, je varie un peu les armes. Je varie un peu, je vais aller voir si j'ai touché. Moi, je l'ai pas tiré excessivement loin. Hein. C'est que c'est... Ah. Aucun organe vital touché. Ah ben ça, c'est pas bien bon, par contre. Hein. Ah oui. J'avais peur qu'il me voie, quand même. J'avais peur qu'il me voie et qu'il parte, quoi. C'est pour ça que j'ai pas hésité à tirer. J'ai tiré tout de suite, quoi. Ouais, parce qu'après, il serait trop approché et... Il m'aurait vu, je pense, à mon avis. Pour ça, j'ai dit, je vais le tenter. Bon, les amis, je vais essayer de le trouver et je vous retrouve tout de suite après. Bon, les amis, ben, le grizzly, je l'ai pas retrouvé. Je vais vous dire pourquoi. Il a tout simplement quitté la réserve, en fait. Voilà. J'ai suivi jusque là, voilà, comme vous pouvez voir. Jusque là, là, il était à 25%. Là, je suis sorti un peu de la réserve, 0%. Et ce que ça a fait, ça m'a éjecté dans cette lodge. Comme on n'a pas le droit de sortir de la réserve, alors du coup, l'ours, il a continué, et il m'a bien eu. C'est dommage quand même. Hein. C'était un set très difficile, et ouais, vraiment dommage. Et là, il est à zéro, mais j'ai pas voulu continuer parce que bon, on peut pas, puisque voilà, c'est hors réserve. Alors, du coup, on va se laisser là, les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner aussi. N'hésitez pas à appuyer sur le petit logo qui est à la fin de la vidéo pour vous abonner. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, je dis deux fois, mais il vaut mieux le dire deux fois qu'une. Et moi, sur ce, les amis, je vous dis bye bye.